va donc échanger un petit moteur comme ça fonctionne. Hop là. 200 watts. 2 plus loin, 100 watts. Contre celui-là. Alors forcément, hein, c'est pas la même connectique. Le petit boîtier de contrôle de la vitesse. Et là, au fond du carton, ça là, c'est la grosse alimentation. Faut le fixer maintenant. L'arbre que j'ai, c'est ça. Hop. Il va être pété avant. Donc ça, c'est ce que j'avais sur déjà sur la fraiseuse, qui n'était pas celui d'origine. Hein. Celui d'origine, c'était un petit truc à pince de merde. Ça, c'est de l'ER11. Ça permet de mettre quand même pas mal de choses dessus. Et c'est vachement plus pratique. Sauf qu'il est un peu court. C'est un filetage. C'est pas mal, il faudrait arriver à trouver un truc à visser dessus. Pour coupler ça là-dedans. Sauf que entre les deux, à peu près, là où je peux essayer de monter un truc, il y a 2 cm. Et si je fais un couplage direct, il faudrait que je sois supraligné. Sinon, bah, ça va se casser. Et être supraligné en faisant les trucs comme ça, je ne vais pas gagner. Sachant que pour fixer le moteur, bah, il faut arriver à fixer là-dessus, quoi. Sauf que ça, c'est trop petit, hein. Les popotes, ça rentre pas. Alors, tant qu'à faire d'avoir tout démonté, je vais en profiter pour essayer de traiter ce point-là. Sur l'axe X, là, celui-là, bah, j'ai de la merde. Je vais vous le montrer, tu vois. Pour caler correctement, j'ai mis ça. Sauf que, bon, ça fait la blague de minutes, hein, mais pas plus que ça. Ce qui fait que, à chaque fois que je tourne ici, la table bouge pas. Il y a du jeu, mais beaucoup, un bon demi-millimètre presque, parce que bah, ça compresse, ça se décompresse, etc., etc. Ça vient pas embuter. J'ai pas le problème sur celui-ci, parce que sur celui-ci, j'avais fait un chouette montage avec des contre-écrous qui marchent bien. Mais sur celui-là, je sais pas ce qu'on voit là, voilà. Ici, bah, j'ai pas réussi à faire le même montage, c'est des tout petits écrous qui marchent pas du tout. Donc bah, je vais le démonter, puis je vais essayer de trouver une solution qui tient un peu plus la route que ça. De l'acier en haut, non pas en haut d'ailleurs, sur les côtés, en bas, au fond. Comme ça, bah, quand il y a du liquide ou n'importe quoi, c'est quand même vachement plus pratique que le bois. Puis c'est plus joli, c'est plus lumineux, bref, c'est top. Donc ça, c'est la solution pour fixer le moteur sur l'arbre de la fraise. Bah, c'est un axe à la con avec un filetage M6 pour rentrer dans le mandrin et qui va se poursuivre après jusqu'à l'axe du moteur qui sera percé certainement où je mettrai une vis de fixation. Et donc là, le 12,1 c'est le diamètre pour venir appuyer contre le roulement à billes pour fixer le mandrin à l'intérieur de la cage. Donc, pour le filetage, comme on veut faire du M6, on cherche dans le livre magique M6. Et comme c'est du filetage et pas du taraudage, on va chercher le diamètre extérieur, 6, logique, hein, jusque-là, avec 6,294 maximum. Mais nous, on va prendre le 6, parce que le 6, c'est bien, et ça évitera de forcer comme un âne. On est à 6,33. Encore un peu de boulot.
Et voilà. 6. Légèrement en dessous. Très légèrement en dessous. Là, j'ai une pointe qui est montée sur ressort. Ok, ça va permettre d'appliquer une certaine pression pour pouvoir venir après fileter avec la filière. Je rajoute un roulement, mais ça c'est juste parce que bah, la filière est très large et si je mettais la pointe, ça va l'abîmer et puis ça va empêcher surtout. Donc je rajoute ça. Je viens le mettre là. Je viens quasiment en appui. Le moteur fixé sur son support. Bon, en fait, c'est tout con. Hein. J'ai repris le support d'origine du moteur de la fraiseuse. Alors, ça passait forcément pas dans les trous d'origine du petit moteur de la fraiseuse d'origine, mais j'avais fait des gorges comme ça dans lesquelles l'écartement était pile poil le bon. Donc voilà, et en principe, et j'espère, c'est bien centré. Je connais la longueur qu'il me faut. Entre le bas de la plaque et le moteur, il y a 29 mm. L'arbre du moteur qui ressort par rapport à la surface de montage, c'est 16,5 mm. Et donc, je vais faire mon axe qui va dépasser de 25 mm. Ce qui fait que ici, donc ce sera bien 25 mm. Un perçage de 16 mm de profondeur, de diamètre 5, pour pouvoir prendre l'axe. Voilà. Donc maintenant il me reste à trouver comment accoupler ça avec ça proprement. Donc soit je le fais rentrer, je touche à rien, je fais juste un trou, deux trous et je mets deux vis sur les côtés pour venir en serrer l'axe. Soit je fais un méplat pour pareil venir avec une vis pointée, mais au moins avec le méplat ça sera un peu plus solide. Ça se monte dessus, pas de souci. C'est même un peu lâche. Parce qu'en fait, il fait pas exactement 5 l'axe. Il fait 4,95 je crois. Et puis bah, là, comme j'ai fait un peu le feignant, j'ai percé directement avec un foret de 5. Pour bien faire, j'aurais pu percer un peu en dessous et puis venir à léser, mais bon. Hein. Voilà. Et voilà la version terminée. Et voilà, ça y est, c'est monté. Et puis ça a l'air d'être pas mal aligné, parce que ça force pas un petit peu à certains endroits. Donc je pense qu'effectivement, il doit y avoir un petit décalage. Mais rien de bien méchant. Ça tourne.
Impec. Bon bah voilà, maintenant c'est terminé. Enfin, du moins pour cette partie-là. Le moteur, le ventilateur, tout ça, c'est tout bon. Il me reste à faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les axes, les coupleurs, les fins de course. Et encore ça, je suis pas bien sûr que je le fasse, les fins de course. Parce que ça va foutre un bordel de câbles là-dedans, ça va être hallucinant. Je sais pas, je verrai. Dans tous les cas, la vidéo est terminée. Et puis bah, la semaine prochaine, certainement une vidéo, mais sur la partie couteau. Parce que c'est bien de faire une fraiseuse, mais il y a des couteaux à faire aussi. Et donc là, j'ai un pimenté en cours qui promet. Titane, béton et un joli bois. J'ai oublié de vous dire, pour ceux que ça intéresse, les tournevis là, vont être remis en vente d'ici une à deux semaines peut-être. Il y aura un peu de tout, il y aura en laiton, en bronze, avec vis, sans vis, aimant, pas aimant, etc. Donc tout ça arrive d'ici peu. Je posterai sur la page Facebook pour dire quand. Salut!